you find another great love, or if Will finds another great love? There's no finding another great love, and I think that's the point. It's like, we are in a place now that we are in a deep healing space, and we are really concentrating on healing the relationship between us. So it may not be the divorce on paper anymore? There's no divorce on paper. I mean, not on paper. There might not be a divorce in theory anymore? Yeah, no, we really have been working hard. Oh. Jada. Jada. Tu vois, tu es toujours dans l'exagération, Jada. Là, donc, t'as tellement l'habitude de mettre des disquettes à tout ton entourage que tu t'es dit... Je pense même toi, tu t'es convaincu, ben ouais, mais disquette en fait. Elle-même, elle pense que c'est la vérité. Elle se dit, voilà, c'est une évidence. Donc, t'as tellement l'habitude de mettre des disquettes à tout le monde, dans ton entourage, tes enfants, Will Smith. Tu t'es dit, ouais, normalement, si je mets des disquettes comme ça au monde, les gens, ils vont se prendre la disquette. Ouais, ben non, là, tu exagères, j'adore. Nous ne sommes pas sous l'emprise. Hein. Ah, voilà. Parce que peut-être je pense que tu penses que c'est nous qui sommes des oufs et que vous êtes dans la vérité. Je ne pense pas, Jada. Honnêtement, alors c'est vrai que des fois, je dis souvent, faut pas se préoccuper de ce que les gens pensent. Mais là, force est de constater, Jada, qu'à un moment donné, tu as réussi à réunir la droite et la gauche. On est tous d'accord pour dire que là, elle, Jada, c'est une sorcière quand même. Voilà, hein, tu as réussi à réunir tout le monde. De tout bord. Voilà. Tout le monde est quand même d'accord pour dire ah, elle exagère. Même les wokies nous ont fait ah non, on la connaît pas. Non, là, elle exagère. Non. Donc là, tu veux nous faire croire, Jada, que tu es en train de travailler sur ton mariage en couchant avec le pote de ton fils, hein, quand même qui a un trauma de ouf. T'imagines, ta mère couche avec ton pote. Non, mais je redis, ta mère couche avec ton pote. Et toi, tu fais ta vie normale, c'est comme ça. C'est bien. Ah voilà, je vois que papa et maman, ils essayent vraiment de se reconnecter. Je vois, ouais. Ça doit la libérer, ça la libère. Ça libère les chakras. Les chakras. Ouais. Tu veux nous faire croire que tu travailles sur ton mariage en salissant le nom de Will Smith constamment, toujours. Une nouvelle info hein, à nous partager en disant au monde entier que voilà, bon, tu l'as fait cocu, tout ça. Bon, et après, il y en a tellement que j'oublie. Donc c'est ça, travailler sur son mariage. Alors je pense, voilà ce qui s'est passé. Hollywood a dû dire, hey, Jada, calme un peu. C'est vrai qu'on a un agenda, wokisme et tout, hein, mais on y va subtilement, Jada. Là, tu vas trop fort. Non, calme un peu. Non, j'avoue, s'il y a un prix à donner à Jada, ce serait toi. Franchement, c'est wokisme, tu es la meilleure. Là, franchement, je veux dire, mais calme un peu. Fais-leur croire quand même, vends-leur du rêve que oui, mais en fait, finalement, vous êtes toujours ensemble, vous vous aimez, et vécu heureux, et blablabla, blablabla. Bon, après, elle a dû se dire, ouais, mais quand même, Hollywood, vous êtes sûr? Parce que j'ai déjà dit à tout le monde que j'étais même surpris qu'ils m'appellent ma femme. Je pense que ça va paraître un peu bizarre si je leur dis, oui, non, mais finalement, on est ensemble, et qu'on s'aime toujours, et que finalement, je pense qu'on va revenir ensemble, et qu'il n'est pas question. Il n'est pas question d'un autre amour. Pas du tout. Vous pensez que ça va passer? Louda dit, hey, plus c'est gros, plus ça passe. Les gens, ils comprennent rien, ils sont là. Oh, oui, mets ton masque, retire. Oh, t'inquiète pas, ça va passer. Après, tu dis, ouais, mais t'es sûr, parce que j'ai quand même dit récemment que, bon, comme il est vieux, il va falloir que je m'occupe de lui, nanani. Il dit, t'inquiète pas. Et donc, du coup, elle a dit ça. C'est une théorie comme une autre. Alors, dans l'une de ses présentations, Jada, il y a Will Smith qui est intervenu. Et à un moment donné, il a pris le micro. Tiens, pour présenter son livre, je te parle. Et à un moment donné, il a pris le micro. Et j'ai dit, oh là là, le malheureux. J'ai dit, tu vois, Will Smith, toi aussi, tu tends la perche pour te faire battre. Déjà, elle était vénère quand tu lui as organisé un anniversaire. Elle a dit, oui, tu veux encore avoir toute la gloire sur toi. Donc là, je me suis dit, quand j'ai vu qu'il a pris le micro, alors que c'est son livre, elle est là pour présenter son livre voilà, aux gens. Et toi, tu prends le micro, je me suis dit, ah, toi, tu vas te prendre un truc. Hein. Peut-être que tu vas te prendre une gifle en direct. J'étais là, alors peut-être qu'il y aura une escalade de violence. Donc j'étais là, attentif, je le voyais prendre le micro, et j'ai dit, ah, c'est sûr qu'elle va te sortir. Alors, ah voilà, ah, super. Will Smith, hein, ah, la star, hein, oh, bah, bravo, hein, super la star. Hein. C'est mon seul moment, Will Smith. Le seul moment de ma life, ok. J'écris un livre. Je suis la star aujourd'hui. Tu veux prendre la star? Tu veux encore avoir la gloire, Will Smith? Eh ben bravo, super, Will Smith. Hein. T'es vraiment insécure, vraiment insécure. Donc du coup, j'avais peur pour lui. Et là, il a commencé à prendre le micro, voilà ce qu'il a dit. Can you love somebody forever, no matter what?
Oh boy was like, I saw you, man. I saw your face. You know, can you show up and love somebody for the rest of your life, even when you don't agree with them? And there ain't nobody on earth except you, mommy. You, mommy. My mommy. I almost messed up. you, mom. Nobody showed up for me more than you, mom. Real talk. Jade is the best friend I have ever had on this planet. And I am going to show up for her and support her for the rest of my life. Donc là, tu vois, c'est embarrassant. C'est embarrassant. On est tous d'accord que bon, ce n'est pas le Will Smith qu'on imaginait. Déjà, ça nous donne une leçon. Hein. Will Smith ne nous appartient pas. Il n'est pas du tout l'homme qu'on le pensait. Voilà, là, c'est malaisant. Je sens pas, tu vois, c'est embarrassant, malaisant. On est loin de Will Smith d'Independence Day, hein, pour les plus anciens, de iRobot, hein, de tout ce que tu veux. Non, on n'est pas du tout dedans. Là, Mohamed Ali. D'ailleurs, je pense que si Mohamed Ali était toujours présent, on aurait dû dire finalement, on va changer. Non, au niveau de l'acting, non. Will Smith, on va changer. Denzel, voilà, Denzel Washington. Voilà, là, voilà, je pense que c'est mieux. Non, mais pourtant, c'est pas grave. On va changer, je pense que c'est mieux. C'était une erreur. Voilà, je me suis trompé. Donc là, franchement, les gars, c'est embarrassant. Donc après, être traîné dans la boue, salir son nom, peut-être même perdre en popularité, perdre sa carrière. Voilà ce qu'il dit. On dirait qu'il vit dans une matrice et il se rend même pas compte, machin, moi. Je sais pas. C'est désolant parce que perdre du respect comme ça devant tout le monde, il n'y a rien de pire pour un homme. Et si tu arrives après à dire un truc comme ça, la meuf elle est irrespectueuse, tu pourras dire tout ce que tu veux. Tu dis une sorte de l'amour inconditionnel. Ouais, bah, je suis au courant, moi aussi j'ai lu ma Bible. Mais ça n'a rien à voir, frère. Là, tu cherches des excuses. Là, c'est irrespectueux et c'est pas possible en fait, il faut qu'il y ait des conséquences. Non, ça c'est de la faiblesse. C'est que tu n'arrives pas à te faire respecter. Point barre, ça n'a rien à voir avec l'amour inconditionnel. En tant qu'homme, le respect, c'est tout ce que l'on a. À un moment donné, si vraiment tout le monde, de droite à gauche, ok, de wokisme, bah, tout le monde se réunit pour dire quand même, là, peut-être qu'elle exagère. Après, il y a la théorie des gens qui disent, ouais, il n'a pas signé de contrat de mariage, donc du coup, il n'est pas si bête que ça. Il dit, genre, non, vraiment, on va divorcer parce que, genre, il ne veut pas perdre son argent. C'est une théorie comme une autre, c'est possible, parce que c'est vrai que dans son livre, il était assez attaché quand même à ce qu'il avait construit et c'est sûr que je pense que ça lui prendrait la tête de tout perdre. Mais après, bon, honnêtement, il pourrait se refaire hein, assez rapidement. D'ailleurs, ça lui est déjà arrivé dans son premier mariage. Il avait déjà laissé des plumes et c'est vrai qu'il ne voulait pas divorcer ou en tout cas, il ne voulait pas lui donner autant d'argent qu'elle demandait. Et je crois que c'est Quincy Jones qui lui a dit « Ah, laisse tomber. » Quincy Jones, je ne sais plus combien de femmes il a eu. Elle dit « Ah, t'inquiète pas, dans un an, deux ans, tu vas récupérer cet argent, tu vois. » Mais c'est vrai que ça lui prenait beaucoup la tête, malgré que Quincy Jones lui a dit laisse, allez, c'est pas grave. Dans un an, deux ans, tu vas refaire cet argent. Et je peux comprendre. Mais franchement, je sais pas si cette théorie-là, elle est viable ou pas. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je t'ai dit ce que j'en pensais. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai créé les 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de crier à l'arnaque, jette un coup d'œil quand même. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je vais être au camp.